Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Dans cette vidéo, nous allons parler des vues dans CBS. Alors, si cela vous intéresse, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Nous commençons. N'oubliez pas de liker la vidéo s'il vous plaît. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, par défaut, CBS affiche la vue de métier. Alors, comment se présente la vue de métier? Quels sont ses avantages qui permettent de faciliter le calcul? Alors, nous pouvons déjà remarquer, voilà, parce que même la vue en 2D et en 3D peuvent, voilà, être affichées suivant les différentes vues. Donc, comme vous le voyez ici, la 3D est en vue de métier et la 2D également l'est. Alors, c'est quoi la vue de métier? La vue de métier, c'est en fait une vue structurelle de votre projet. Voilà, qu'entendons-nous par vue structurelle? La vue structurelle, c'est la vue du modèle de calcul. Comme vous pouvez le remarquer ici, les éléments sont modélisés suivant les axes des éléments de structure. Si on revient ici, pour plus d'explications, vous pouvez remarquer que on a une poutre avec l'axe neutre, également le poteau. Lorsque vous modélisez une dalle en vue de métier dans CBS, cette poutre, comme vous le voyez, lorsque vous modélisez une dalle dans CBS, cette dalle est représentée comme ceci. Quelle qu'en soit sa hauteur, voilà, quelle qu'en soit sa hauteur, elle est représentée suivant l'axe de la poutre. Également, pareillement pour les poteaux, lorsque vous modélisez, voilà, un poteau comme ceci, vous avez l'axe neutre du poteau. Lorsque vous modélisez la poutre, cette poutre vient s'accrocher à l'axe, voilà, de votre poteau. C'est en fait ça la vue, voilà, de métier en quoi appelé vue structurale dans CBS. Alors, quels sont les autres avantages de la vue de métier? Dans la vue de métier, vous pouvez, voilà, afficher directement l'essence de portée des dalles. Vous pouvez observer alors dans quel sens votre dalle porte, voilà. Par exemple, sur cette dalle-ci, on a une dalle qui porte à un seul sens, donc une dalle à coq creux. Dans celle-ci, on a une dalle qui n'a pas de sens de portée, donc elle porte dans les deux sens. Donc, voilà donc en quelques lignes l'importance ou alors l'utilité de la vue de métier. Nous passons ensuite à la vue, voilà, à la vue de calcul. C'est quoi la vue de calcul? La vue de calcul, c'est cette vue-là qui vous permet d'afficher les résultats de votre structure. Comme vous pouvez le voir ici, voilà, en 3D, vous pouvez observer voilà le diagramme, une légende, voilà le diagramme des charges de votre structure, du haut vers le bas. Également, vous pouvez afficher en 2D la vue de calcul et afficher également, voilà, les résultats de calcul. Donc, lorsque les résultats de calcul sont affichés, cela vous permet donc de savoir, voilà, de connaître, par exemple, la charge qui arrive en pied de poteau, par exemple. Vous pouvez connaître la charge que chaque poteau porte par niveau. Voilà en fait l'utilité de la vue de calcul dans CBS. Alors, nous revenons donc à la dernière vue qui est la vue architecturale. C'est quoi la vue architecturale? Comme vous pouvez le voir ici, la vue architecturale et la vue de métier, voilà. Voici une présentation de la fondation en vue de métier et voici une présentation
de la fondation en vue architecturale. En fait, la vue architecturale, comme son nom l'indique, présente, voilà, votre vue, votre plan 2D selon une conception architecturale, que ce soit au niveau des traits, voilà, comme vous pouvez le remarquer, au niveau des traits, au niveau de la visualisation. Alors, la vue architecturale peut également être affichée en 3D. Voilà, comme vous le remarquez ici, la vue architecturale représente les éléments conformément, voilà, aux normes de conception architecturale. Si je remets la vue de métier en 3D, vous allez remarquer que les éléments sont, voilà, sont modélisés, comme je l'ai expliqué ici, selon l'axe neutre. Par contre, à la vue architecturale, vous avez une conception architecturale proprement dite, c'est-à-dire que les dalles sont alignées aux poutres, voilà, comme vous le voyez, vous pouvez observer la retombée de la poutre, très clairement. Alors, la vue architecturale, comme vous pouvez le voir, présente l'lissage des éléments de structure. Vous avez une visualisation lisse des éléments de structure. Si je reviens à la vue de métier, vous allez voir que ici, vous pouvez apercevoir l'axe, voilà, l'axe des éléments de structure. Comme par exemple, sur cet escalier, vous pouvez apercevoir son axe. Alors, nous revenons à la vue architecturale. Nous revenons en 2D. Vous remarquerez que à la vue architecturale, vous avez ce poteau qui déborde. Voilà, on suppose que votre poteau, voilà, est, voilà, que la limite de votre terrain est cette limite-ci. Voilà, est cette limite. Vous voulez ramener ce poteau ici, voilà. Pour le faire, c'est très simple. Voilà, il vous suffit juste de venir, vous allez voir cette barre d'outils, voilà, appelée édition. Voilà, cette barre d'outils dans CBS, appelée édition, vous pouvez l'afficher en faisant un clic droit ici. Vous pouvez l'afficher, voilà, comme ceci. Vous allez voir cette option ajustage au nu, ajustage au nu. Cette option n'est disponible que dans la vue architecturale. Cela vous permet d'aligner vos éléments, voilà, comme vous le souhaitez. Comme par exemple, je vais vous montrer un exemple. Je vais aligner ce poteau par rapport à cette poutre de fondation. Je sélectionne, voilà, la poutre. Je sélectionne l'option ajustage au nu. Et enfin, je sélectionne le poteau. Voilà, comme vous le remarquez, le poteau s'est aligné automatiquement, voilà, à la poutre de fondation. En fait, cette option ne modifie en rien la structure. Comme je vous l'ai dit, elle n'est disponible que dans la vue architecturale. Si nous revenons à la vue de métier, encore appelée vue de structure, vous allez voir que le centre du poteau, voilà, le poteau n'est pas modifié. Par contre, si je reviens à la vue architecturale, vous allez voir que le poteau a suivi une forme, voilà, un sens que vous avez défini, appelé ajusté. Vous l'avez ajusté par rapport au nu, voilà, de la poutre de fondation. Donc, comme vous pouvez le voir, vous pouvez ajuster, voilà, vous pouvez ajuster les poteaux à votre guise, comme ceci. Voilà, vous pouvez mettre les poteaux comme ceci. Voilà, il faut toujours sélectionner un plan, voilà, une ligne de référence d'alignement, et vous sélectionnez le côté que vous voulez ajuster comme ceci. Voilà, vous sélectionnez et vous ajustez comme ceci. Voilà. Vous sélectionnez et vous ajustez. Voilà, comme ceci. Ainsi de suite. Voilà, au fur et à mesure, vous ajustez comme ceci. Petite remarque, lorsque vous ajustez,
cela ajuste automatiquement avec la semelle. Remarquez que lorsque vous ajustez, la semelle et le poteau bougent en même temps. Donc, c'est très pratique. Voilà, c'est très pratique. Très pratique. Vous ajustez comme ceci. Ainsi de suite. Voilà, nous allons ajuster les poteaux, tous les poteaux de notre projet. Voilà, vous alignez les éléments comme ceci. Voilà, on ajuste. Voilà donc l'utilité de la vue architecturale. Voilà son utilité première. Cette option, je le répète, n'est pas disponible dans les autres vues. Elle n'est disponible que dans la vue architecturale. Voilà. Donc, nous finissons d'ajuster. Voilà, il faut sélectionner le côté que vous voulez ajuster. Si vous choisissez ici, ça doit pousser. Voilà, le poteau, comme vous le voyez, par rapport à la ligne de référence. Donc, nous finissons comme ceci. Et voilà. Comme vous pouvez le voir, nous avons ajusté le poteau avec la vue architecturale. Si je viens en vue de métier, voilà, comme ceci. Voilà. Vous allez voir que cette option n'est pas disponible. Voilà, comme vous l'avez remarqué, cette option d'ajustage n'est pas disponible dans la vue de métier, encore appelée vue structurale. Voilà, vous voyez, cette opération ne peut être effectuée dans cette vue. Sélectionnez la vue architecturale dans la fenêtre courante. Donc, les amis, comme je vous l'ai dit, ce tutoriel concernait la présentation des différentes vues dans CBS. J'espère que cela vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas de nous lâcher un pouce bleu. N'hésitez pas également de vous abonner à notre chaîne YouTube. N'hésitez pas de partager les vidéos. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment exporter les plans de fondation, les plans de plancher dans CBS, voilà, pour enfin les utiliser dans Archicad pour les modifications, pour des corrections. Alors, on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo.